Oui, je suis en live. Ah, les curieux. Les champions, c'est sur la télé là-bas. Tous les jours. Ben, en général, oui. T'as 3 abonnés. Qui c'est qui a 3 abonnés? On a vu sur ta vidéo. 3 abonnés? Waouh. Qu'est-ce que vous avez espionné? Donc vous m'espionnez, vous là? Non, mais t'as combien d'abonnés? Est-ce que vous savez que espionner, c'est pas bien? Hein? C'est bien qu'il dit n'importe quoi. En plus, je dis n'importe quoi, je le sais. Bon, on n'espionne pas. Hein. Chacun sa vie. Hein. Mais t'as combien d'abonnés? Hein? Chacun sa vie. Combien d'abonnés? Qui est dans la fête, ce n'est pas fini. C'est moi qui ai la Axel? Axel? Oui. Claudia n'a pas encore dit quoi? Hey, on va s'en sortir. Ah. Est-ce que nous allons nous en sortir? C'est dans le sud. Ah oui, c'est ça. J'ai dû effacer. Bonjour, Trump. J'ai dû effacer le direct tout à l'heure parce que nous avons eu des passages impromptus. Ah, j'ai fini de faire ma pâtisserie, donc je vais essayer de me poser. Voilà, Eyenga, soutien à Caleçon A. Apprenons à vivre dans le cadre de la loi. Donc, Clarisse Eyenga, tu veux dire que tu veux nous dire qu'à chaque fois que de l'eau va bac au camer, tu vas tomber en transe. Bonjour, Justice. Comment ça, enfin? J'ai fait un direct tout à l'heure que j'ai dû effacer. Bonjour Nico, bonjour mon épouse Bams. Oui, le jeune Gombe est dehors. Oui, Junior Gombe, il est même Junior d'ailleurs. Gombe est dehors. Je vous signale que Pomba et les siens sont en train de faire du lobbying en France. Hein. Ah, quand vous voyez les fêtes comme celle-là, hein, ce sont seulement des raisons pour se retrouver. Les sportifs viennent chercher leur part de gloire. Et les hommes d'affaires viennent faire leur business. Bonjour Ali. Dans le lobbying là, Boubi Onissa, pendant que Bomba, l'Envonda Yolo, cause avec, Macron et compagnie, hein, ça a causé et tout. Où vous êtes assis chez vous? Boubi Onissa, lui, n'est même plus d'actualité. Lui, il va faire ses 7 ans, il va bien plier ça. Et il y en a qui ont tous les noms des autres dans la bouche là. Il fallait profiter du fait qu'ils soient tous à Paris pour demander la libération une fois de plus de la libération de Boubi Onissa. Mais vous êtes sûrs, nous autres, votre leader parlait de traître, d'infiltrer. Il aurait dû être là parmi ceux-là aussi. Peut-être qu'il est là en sous-marin, qu'est-ce que nous on en sait? Est-ce qu'on voit tous les lobbies? Moi, je dis ça, je ne dis rien. Dites-vous que les gars là vont vous plier ça. Plus tôt que vous ne pensez, même d'ailleurs là. Ils vont vous plier ça. Bah, dis ça comme c'est, dis rien. Donc Clarisse Eyenga, écoutons les pleurs de Clarisse Eyenga. Tu veux faire le chantage émotionnel à qui? Nous avons déjà ça sur la toile. Elle s'appelle la veuve joyeuse. Mais il y a du rouge. Mais il y a que du vert. Ah, pas de motif. Ah, ben pourtant, je fais des directs quasiment tous les jours. Hein? Nous avons des pleureuses. Donc, des personnes qui pensent, coucou, le roi David, comment vas-tu? Merci à toi, je profite de mes vacances proprement. Oui, c'est grave ici, Massa. Je suis la restauratrice du coin. Et ici, il ne faut pas monter de chemin. Dès que tu fais le cookie comme ça, on t'attrape tous les jours. On veut sauf que le cookie.
Et il paraît qu'il y a un mangeur de cookies qui arrive là. Lui, il paraît qu'il m'a avec le kilo entier. Il y a trop de souffrance. Mais ça, il faut que je fasse la cuisine chaque chap morning comme ça. Parce que sinon, après, là, il n'y a pas moyen. Là. Donc, nous avons, il y a des pleureuses sur la toile. Il y a une, la personne ne l'aime. C'est ce qu'elle dit. Ah. Donc, elle est devenue nocive, le feu sort. Elle s'appelle la veuve joyeuse. La jalousie veut finir avec elle. Mmh. Tout ça, c'est une histoire de jalousie. Maintenant qu'elle a la cuisine, elle est un peu calme. Elle a pleuré, la cuisine l'a shooté. Autant ce sont les filles qui mangent l'argent de la monétisation ici. Tu vois, les personnes qui sont assises, elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Vous voulez qu'elles fassent pour les autres. Mmh. Oui, la mère dit qu'elle a sûrement fini par lui donner 2 francs là. Elle a posé, elle a fait poser une cuisine. Elle nous colle un peu la paix avec l'histoire de la cuisine là. Mais tu donnes une cuisine à un désordonné. Autant ne pas lui donner. Parce qu'au bout de 3 mois là. Moi la mienne a plus de 10 ans. Coucou ma mère, coucou Liliane. Comment vas-tu? Donc Clarisse et Yenga, il faut laisser les pleurs. Oh, you are beautiful. On fait câlin. Tu as dormi, nous avons dormi ensemble. Non, dans ce sens, pas ça ici. Oh, t'es jolie comme un cœur. Un peu bisous. Oh, t'es jolie. Celle-là. Celle-là, là. Petite machine de guerre. Hein? Petite machine de guerre. Donc, oh, maintenant, l'espagnol sur moi, le roi David. Tu me cherches. Donc, Clarisse et Yenga, les histoires de soeurs de vie village, ça ne marche pas. Les histoires de trafic d'influence de moins en moins sont des choses qui font mal à un pays. Donc, les gars au Cameroun, maintenant, ils ne veulent même plus qu'on fasse état de la chose. Si tu penses qu'à chaque fois que le roi va débarquer au Cameroun, tu vas te mettre à pleurer, jusqu'à tu mets que tu vas sauf que finir devant le ministre de la Défense et demander. Quelqu'un avait envoyé ton mari au Nouro. C'est le système. Depuis que nous disons là que la guerre là doit s'arrêter, est-ce que tu en fais partie? Non. Non, tu n'en fais pas partie. Toi, ton mari est encore en vie. On te dit que mon petit oncle, 27 ans, est enterré là-bas au village. Il est posé là-bas, easy. Mort dans le Nouro. 2 balles dans le corps. Tac, tac. 2 minimum, du moins. Moi, je me suis arrêté à 2. Oui. Le chantage émotionnel ne fonctionne pas avec les adultes. Non, je rigole. En fait, il y a une sorte. L'argent ne se ramasse pas par terre. Ah, je suis Makanda. Ça se ramassait, ça saurait. Ça saurait. Donc, tu es là, tu montes, tu descends, tu pleures. Tu pleures quoi? Tout, chaque Camerounais gagne. Et Zamba Belilouali. Voilà, alors que l'Assemblée, elle a make noise dans ma part de vidéo. Luttons pour un pays de justice. Pas de justice, pas de paix. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Nous autres Camerounais, nous baladons avec une méchanceté qui n'a pas de nom. Une comme Nivakin. Non, c'est un. Un comme Nivakin célèbre l'oppression. Oui, on fouette bien au Gabon. Hein. Vraiment, hein. Félicitations pour le fouettement de l'autre là. Nivakin, quand je dis Clarisse et Yenga et compagnie, la compagnie sont les autres que je vais citer. Nivakin, mon frère, comme tu es dans une situation dans laquelle, dans ce bas monde, tu es oppressable. Oui, même dans les pays dans lesquels là, l'homosexualité n'est pas criminalisée. Il y a des personnes qui disent que, oh, eux, ils ne sont pas d'accord avec l'affaire là. Donc même ici, là où tu vis en Europe là, tu es susceptible d'être opprimé. Non, oppressé. Et c'est toi qui célèbre l'oppression. Si quelqu'un t'attrape ici dans la rue, là, te civilise parce que tu es homo, est-ce que tu nous donnes le droit, nous autres, de célébrer? Toi, tu as le Ngunda. Tu ne peux pas battre au Cameroun. Du moins pas en entrant par la grande porte. Mais tu célèbres que tes frères et soeurs soient oppressés, opprimés, là où tu es né. Tu y as de la famille, hein. La fin n'a pas les yeux. Hein.
Si ça, les gars-là n'arrivent pas à bien plier, ce sera Ebouliang Djanga. Ce sera Ebouliang Djanga. Chaque peuple a son degré de saturation. Regardez au Venezuela. Quand Chavez est arrivé, c'était au sauveur, non? Si je ne m'abuse. Il venait du monde du travail. Il venait de chez les prolétaires là-bas. C'est pas ça. Hein? Mais non, je n'ai pas désactivé ton abonnement. Bonjour Elsa, comment vas-tu? C'est pour cela que j'aime à dire que notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. On n'est trahi que par les siens. Oui, en général, on n'est trahi que par les siens. Très souvent, par les siens. Vous allez souvent chercher les coupables de l'état de l'Afrique, hors des frontières du continent. Non, il faut chercher dedans. Il faut chercher dedans. Les gars, eux, ils sont accrochés à la boîte de sauvetage, mais ils souhaitent que leur frère au pays. Nivakin, tu dis à peu près tout ce qui te passe par la tête depuis ta position. Et tu conçois que, à cause de ses opinions, un Camerounais soit torturé. Et des fois, jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Hello, famille. Hein? Clarisse Yenga, c'est ton pays. Soit tu te bats pour que ce pays-là soit géré d'une façon juste, soit tu vas continuer de pleurer parce que le long que je sache ne va pas cesser de venir au Cameroun. Non? Si à chaque fois tu dois parler, tu vas pas finir ta chose à jamais. Hein? Easy. Parce que nous, on gère les détails. J'ai pas les détails. D'accord? Ceux qui font semblant de lutter là. Si Bia ne se représente pas, c'est un jeune qui récupère la chose là. Vous allez encore plier 40 ans derrière. D'accord? Vous allez plier 40 ans derrière. Trop bavarder ces maladies. Quand ils en libèrent un comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu politique par rapport à ce jeune homme là. Il n'y a pas d'enjeu politique. Vous célébrez, mais vous oubliez qu'il y a des leaders qui sont en prison là-bas. Et qui vont passer 7 ans. Quand les gars-là vont sortir, ils n'auront plus que de marcher avec vous. Vous m'avez dit ça comme ça, dit rien. Hmm? Ils n'auront plus que de marcher avec vous. Arrêtons avec les vous. D'accord? Arrêtons avec les vous. Des personnes comme, quand une lutte finit par reposer sur des personnes comme Port de l'Ouest, mais sincèrement, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Moi, je sais où se trouve ma place, où est ma place. Moi, je suis vuvuzeliste. Je suis là pour maintenir la braise, entretenir la braise, d'accord? Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui vont plier l'affaire là. Le lobbying est en train de se... Les lobbying sont en train de se passer à Paris. Vous êtes où? Vous êtes fourrés dans nos derrières. Vous êtes fourrés dans nos derrières. Regardez l'état du pays. Hein? Le quotidien de nos frères sont les moustiques. C'est le paludisme. Ce sont les poubelles. Donc au 21e siècle, nous n'arrivons toujours pas à gérer nos poubelles. Vous avez dit encore, nous qui parlons fort au Caucasien là, le tout à l'égout, avant que les Français n'arrivent au pays, ils avaient déjà du le tout à l'égout. Le Cameroun n'a toujours pas un système d'évacuation d'eau usée. Pourtant, vous avez des fleuves où vous déversez toutes ces bêtises-là.
Et le savoir-faire est versé dans le monde. Vous choisissez seulement le système qui vous sied, adapté. Non, non, pas dans ma vidéo. Tu peux rester ici, là, c'est la limite. Oh, tu as fait un bracelet? Tu sais comment tordre? Non, 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 pas dans ma vidéo. Tu peux tordre plus que ça? Ouais. Nous avons des... Je vais coller. T'as collé? C'est pas grave si je te colle. Tu veux faire un bracelet? Tu peux tordre plus que ça. Essaye. Ah, j'ai des courbatures partout. Ah, vous êtes assis là. Chop. Chop, die. Mouillez ça, mouillez, y'a pas de mouillez ça. Vous êtes assis là, vous faites des jongleries. Même si vous arrivez à faire des business là-bas, ça ne va pas durer. Donc, mieux vaut le faire le plus tôt possible. Vous ne souhaitez pas avoir le taux, un taux fixe pour dédouaner tout ce que vous envoyez là-bas. Il faut que ce soit petit bonheur à la chance. Un coup c'est 10 millions, un coup c'est 20, un coup c'est 30. Pour faire le commerce, il faut se protéger, non? Se projeter, non? Tu sais que tu achètes à 50 francs pour dédouaner, c'est le prix de ceci. Coucou, ma Suzy. C'est le prix de ceci plus le prix de cela. Le pourcentage, c'est tel chiffre. Ça vous dit pas? Hein? Vous aimez quand ça sort comme ça sort? Quel pays peut donc fonctionner comme ça? Quand plus de la moitié des impôts finissent dans la peau des individus au quartier. L'axe lourd, là, vous avez fait quoi avec l'argent de l'axe lourd depuis qu'il y a les péages? Il y a même des péages sur des champs, des sentiers. Ah, vous êtes assis là. Les autres bâtissent leur pays. Après, vous pillez. Vous pleurez. Qui vous ont pillé? Oh, c'est parce qu'ils vont faire ceci. Regardez les géos là. Vous avez vu Versailles. La sorcellerie. La sorcellerie. Donc, même quand les rois oppressaient leur pauvre peuple, ils construisaient. Donc, les nôtres nous oppressent. Pourquoi non? Parce que quand vous allez m'envoyer mes gars, il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. Il n'y a rien d'extraordinaire. Nous ne sommes pas des peuples bâtisseurs. Si Aïdjo n'avait pas conçu ce palais-là, Biya serait fourré dans l'ancien palais présidentiel. Même pas rénové. Biya n'a pas rénové tout. Biya n'a pas... Je vous ai dit ça, pourtant moi, je n'ai jamais mis mes pieds et tout. Hein? Je n'ai jamais mis mes pieds et tout. Mais rien que la succession de ces années-là. Les photos qu'on nous montre là, vous avez dit qu'on n'a pas rénové les bêtises là. Quelques jours plus tard, j'entendais dire que l'ascenseur date. C'est un ascenseur d'époque. Donc, qui était commercialisé à l'époque où on a conçu ce palais là. Il y a eu combien de séries d'ascenseurs derrière? Même les cages d'ascenseurs des vieux immeubles là à Paris. On a gardé la structure, mais dedans, là, on a mis une nouvelle... même nous, les ascenseurs qu'on ferme comme ça avec les grillages. On a seulement gardé les grillages, mais le système est récent. Vous faites à qui, les gars? Vous faites à qui? Les Camerounais, aujourd'hui, même le beignet n'arrive plus à manger. Moi, je me réveille le matin comme ça, tchara, tchara, petit gâteau. Un gros gâteau chaud, des grands gâteaux châles. Devinez ce que nous mangeons au petit-déj aujourd'hui. Gâteau. Gâteau à quoi? Chocolat. Oh, gagné. Vous avez vu? Non, que du gâteau au chocolat. Non, 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 non. Il n'y a pas de nature pour papy. Et regarde, ça y est, dès qu'on dit, je... Dès que tu dis... Elle n'est pas belle la vie? Dès que tu dis, qu'est-ce que... Pourquoi ainsi? Comment vas-tu? Dès que tu dis, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner, on crie déjà gâteau. C'est pas le truc bizarre sur ce même. Ah, mais ça a souvent été ça, non? Vous avez vu donc que c'est une histoire de méchanceté. Dès que la base jaune met les mains quelque part, les doigts quelque part, on dit qu'on ne fait plus parce que c'est nous. Vous n'avez pas vu Aïma atteindre ta jour? Hein? Vous n'avez pas vu à la cagnotte de matin, ta jour? Eh oui. C'est l'argent de Calibri. La méchanceté gratuite.
Oui, la mission entière est gratuite. Donc, il célèbre ce jeune homme-là. D'ailleurs, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas suivi. Donc, moi, je vais relayer la cagnotte là ici. Allez, dis, disons. Allez même chercher la cagnotte là de suite, là. Mon premier avenger. Il faut que bah, ouais, vraiment être à distance là, et piloter les choses, c'est la sorcellerie. Hein? Je vais chercher la cagnotte. Bon, premier avenger, si tu m'entends, partage seulement sur la page. Hein? C'est pas parce que vous ne voulez pas faire que vous allez mettre les bâtons entre les roues d'autres personnes. C'est votre agent qui est levé. C'est vous qui tontinez. Donc, ce que certains Camerounais se disent, que ce n'est pas l'entreprise qui les dérange, c'est la personne. C'est la personne qui le fait. Bien, je vais voir si je vais. Et moi, je me préoccupe plus de tout ça maintenant. Ils sont là, ils vont célébrer, ils vont même s'attribuer la libération de ce jeune homme-là. C'est leur chose, non. United, c'est pour eux. Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont chassé tout le monde United. Hein? Vous avez remarqué qu'ils ont chassé tout le monde United. C'est pour eux. Tu veux qu'ils dénoncent pour eux, pourquoi? Et ils voient bien que nous autres ne gérons pas leurs histoires. Nous ne gérons pas leurs histoires. Dans le petit déjeuner, moi j'ai fini. J'ai fini de faire les gâteaux. Je regarde les résultats. Ah! Bon, il m'a dit qu'il est la finale, on n'a pas pu la regarder. Il m'a dit que c'était hier soir, je crois. Oh, mais vous n'avez pas de. La finale de quoi? La finale de quoi? La finale de quoi? De la question. Ah, ben. Pourtant, oui, vous avez rappelé ça, mais vous n'avez pas regardé. Beaucoup, comme Lauriane. Beaucoup, Maudette. Là, ils vont remonter ça peut-être ce soir ou dans la journée. Il y a récap, non? Oui, il y a les récap. Bon, moi, j'ai fini ma part. Hein. Hein? Maintenant, c'est à ceux qui mettent dans le ventre de gérer. Même grand pas à son gâteau. Je crois que c'est cuit, là. C'est bon. Je crois qu'il est bien moelleux. C'est ce qu'il faut. Elle n'est pas belle, la vie? Voilà. Les enfants se diront après que oh, on les a maltraités. Oh. Vous voyez comme ça les gens. Ah, regardez, regardez. Coucou, Pa Emmanuel. Bon appétit à nous. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Fraîchement sorti du four. C'est ça qui est ça. Oui, je me souviens encore comment on cuisine. C'est un exploit. Hein? Que les Camerounais se disent que beaucoup d'entre nous là sommes des humains.
Tu as vu, tu veux goûter avant de partir? Oui. Aujourd'hui, vous allez faire les cahiers de vacances. Je ne serai pas là tout de suite parce que j'ai des courses à faire, mais je vais corriger à mon retour. Mais tout le monde fait les cahiers de vacances aujourd'hui. Ça fait 2 jours que vous n'avez pas fait. Bon. Donc, je vous laisse déjeuner. Et le français, une page de maths et une autre page. Vous faites 4 pages aujourd'hui. Je vous laisse déjeuner. Le pâté est encore dans la salle. Donc, moi, je m'occupe du pâté. Ne bougez pas. Donc, bavardez avec les Camerounais. Je vais respirer un peu. Vous me dites, vous donnez la note. J'ai changé de recette. Qui fait quoi? J'ai changé de recette. Donc, tout le monde a une part de ça, c'est ça? Hein? Ben, si vous voulez même gratter le nature, ils sont deux dessus, non? Okay. Tout le monde mange tout. Oui, je fais deux. Et vous me direz. Et sauf que je ne me souviens plus de la recette. Sauf que je ne me souviens plus de la recette, ouais, maman Sarah. Ah, c'est bon, hein? Ah, mais c'est pas, c'est parce qu'elle me néglige, les gars. Moi, vous dis ça. J'ai décidé de laisser beaucoup de choses pour le 237, pour un nouveau pays. Regardez la vie de nous autres. Luttez, les gars. Hein? Lisez-vous que les gars la font. Le pire, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que nous nous faisions. C'est ça qui me dépasse. Hein? Une comme moi là, vous voyez que c'est ici que moi j'apprends que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Je vous ai quasiment tous bloqués. Ou j'ai bloqué ceux qui partagent vos affaires, passent en dessous du radar. Je vous gère pas les gars. De temps en temps seulement, je viens vous déranger. Vous gère, mais j'en ai strictement rien à faire. Vous voyez donc que c'est la méchanceté. C'est pour ça que je vous dis souvent que, je répète ici, quitte à être traité tribaliste, ceux qui ont cru que faire une assemblée de personnes ressortissantes entre parenthèses d'une région. Hein, allez vous mener quelque part, ça ne va vous mener nulle part. C'est ensemble qu'on va se faire ça. Hein, quel que soit le groupe ethnique là, les gars, vous êtes morts dans votre film. Et c'est bien que beaucoup se soient éloignés de moi. Et vraiment, je devrais même devenir croyante. Sûrement, il y a quelqu'un qui prie pour moi. Coucou ma vie. Voilà donc un groupe de personnes. Des personnes nocives pour l'entreprise. Vous allez cacher. Au nom du soi-disant, coucou ma Micheline, comment vas-tu? Non, tu es bloqué, tu es ici. Tu es bloqué, tu es ici. Hein? Quand je dis que j'ai bloqué les gens, les activistes là, entre parenthèses, ils sont bloqués, disons. Fatigués de voir les bêtises. Moi, je suis allergique à la bêtise. J'ai bloqué une grosse partie des activistes là. Où je désactive seulement Tchara. Énergivore. Hein? Eh, bonjour ma vie. Énergivore. Vous nous mettez sur le côté parce que nous ne sommes pas de la même ethnie que vous. Ou parce que vous avez pensé que vous nous aviez embauchés et que nous ne faisons plus notre travail, vous nous avez virés. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut mener la lutte comme ça? Combien de fois les sonnettes d'alarme ont été tirées? Vous voilà, je vous ai dit depuis des longs mois, depuis 4 ans. Je vous dis que dans l'état actuel des choses, virgule, le RDP se passe. Hora. Il fraude seulement par réflexe, par habitude. Sur le terrain, il ne sait rien passer. C'est dans les partis politiques là-bas et tout, qui devaient faire grossir notre nombre. Les gars sont restés au quartier. Il y en a qui ont commencé à les entretenir depuis ici, en donnant les 10 euros. Hein? Vous avez déjà vu des partis politiques qui n'ont aucune base. Que des indéboulonnables. Un parti politique tient par la base, pas par la tête. Hein? J'ai fini de combattre les moustiques. Ici, j'ai les moyens de ma politique. Voilà ça aujourd'hui. Vous savez combien de milliards même, on parle même plus de, ont été investis dans cette lutte-là. Je vous ai dit que ça va cuire et très mal. Je ne fais que vous avertir. Il y en a qui ont cru vraiment que la personne-là allait plier ça. Aujourd'hui, là, on se dédouane. On accuse le petit peuple. On parle d'infiltré. Hein? Il n'y a pas d'infiltré où? Dans ce bas monde, les Chinois sont de gros infiltrés. De telle façon, maintenant que quand tu es Chinois, mon gars,
Pour te faire entrer dans une grande entreprise là, ici aux États-Unis, on te regarde comme ça, dit que tu vas souvent voler les données pour aller Guy à la Chine. Hein? Vous êtes assis là. Vous vivez dans les poubelles. Vous vivez dans les poubelles. Traitez les ordures ménagères. Des choses biodégradables, compostables. Voilà les gars du air qui sont en train de faire du lobbying à Paris. Après, vous allez accuser la France. Vous allez accuser la France. Ces gars-là vont financer. Quand vous allez entendre que Sarkozy a financé la campagne de Biya. Mais ce sont des lobbying, ce n'est pas la France. Hein. Ce sont des individus, hein. Des faiseurs de rois. Vous ne savez pas ce que Biya a pu promettre à Sarkozy, là. Hein? Bonjour Mireille. Oui, oui, il est libre pour combien de personnes qui sont en prison? Vous voulez qu'il célèbre quoi là-dedans? Tant mieux pour lui. Oui, oui, il est libre, c'est bien. Il y en a qui ont pris 7 ans. Les embas ont pris une condamnation à vie. D'accord? Mais excusez-moi. Vous m'avez vu parler de l'affaire là? Est-ce que vous m'avez vu parler de l'affaire là? Non. Donc quand il dépose quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison. Lui, il est libre. Combien de personnes sont encore en prison? Bibouni Sagaya a compris comme... Il y en a qui disent même que lui, il a été libéré. Et qu'est-ce que... comment on appelle Bidjan fait en prison? Bidjan fait quoi en prison? Il a pris 6 mois, pourquoi? Et c'est comme ça qu'on crée des fossés entre les Camerounais. Bonjour, ma Nicole. C'est comme ça qu'on crée des fossés entre les Camerounais. Pourquoi est-ce que Bidjan a donc pris 6 mois? Hein? On célèbre quoi là-dedans? Parce que c'est un que nous soutenons, n'est-ce pas? C'est ça la justice. Comme Bidjan, lui, à un moment, il nous avait fait ça dur. Il y en a qui sont dit, qui ont dit, ah, c'est entre eux là-bas. Même situation de traitement. Vous voulez qu'on aille où avec nous? Hein? Vous voulez qu'on aille où avec nous? C'est vrai qu'il y a 2 affaires sur Bidjan. Mais pour celle qui est de voilà, propos mensongers ou propagation de fausses nouvelles, là, lui, il a pris 6 mois. Hein? Il a pris 6 mois. Donc quand vous allez entendre que Sarkozy a financé la campagne de Biya, vous allez commencer à pleurer, vous allez accuser la France. Les gars sont en train de faire du lobbying. Vous ne savez pas ce que Biya a promis à Sarkozy et co. Hein? Pendant ce temps, l'opposition est où? Votre Dieu, le Père, là, il se fait... Il fait du lobbying auprès de qui? Quand nous avons commencé à parler de lobbying ici, oh non, nous on ne veut pas être sous la houlette de ceci, oh ceci a fait cela, oh oh, vous ne savez pas que dans ce bas monde, ce n'est que ça, du lobbying. Le monde appartient aux hommes d'affaires. Ce sont des faiseurs de rois. Vous savez combien Kamala a levé le premier week-end? Hein? Vous êtes assis là. Toujours en train de se tirer dans les pattes. Donc, ceux qui m'ont souvent tiré dans les pattes, là, vous avez vu que je suis toujours assise au même endroit, non? Vous ne vous épuisez pas. Depuis là, je suis calibré. Vous ne vous épuisez pas, les gars. Hein? J'ai même pris de l'âge, regardez le poids de l'âge. Je fais une réaction allergique ici. Je fais une réaction allergique ici. Heureusement qu'ici, il y a beaucoup de médicaments qui sont libre service, en libre service. Vous faites à qui? Hein? Vous faites à qui? Toujours dans la démagogie. Les gars. Pardon, mon premier Avenger, si tu m'écoutes, mets la cagnotte de Zui là sur la page. La cagnotte de Zui, à partir de demain, je mets ça ici en direct. Je lance un direct comme ça pour faire la promotion de la cagnotte là. Hein? Vous êtes assis là. Le noir que... Le noir que... Toi, Olivier Tchanan, là, si Kaliba avait le cœur noir, tu en serais où aujourd'hui?
Tonton, le papier a fini. Angel. 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 Le pater est prêt. Le pater a fini. On est riche de par ses relations. Oui. Vous voyez les kachakoutes aujourd'hui avec les Ségolène et tout. C'est du lobbying. C'est du lobbying. Grâce à cette relation-là, il y en a qui ont des panneaux solaires chez eux. Pendant que d'autres sont dans le noir. Lobbying. Là, les États-Unis. Le fief du lobbying. Des faiseurs de rois. Au lieu d'accuser les pays. La France ne trafique pas avec vous. Ce sont des individus qui trafiquent avec vous. D'accord? Donc, Sarkozy là qui a un repris de justice. Coucou Malidi, comment vas-tu? Sarkozy qui a un repris de justice. Vous voyez votre président avec lui. C'est un repris de justice. Hein? Sarkozy qui est accusé d'avoir pris l'argent de Kadhafi dans le cadre de sa campagne électorale. C'est avec lui que les Camerounais vont traiter, du moins ceux qui sont en haut là-bas vont traiter. Ça n'offusque personne. Là, vous ne pleurez pas. Vous êtes chez nous autres là. Go, les infiltrés. Ah, attendez que les gars, Katanga, ils nous plient l'affaire là. On va trop rigoler ici. On va trop, trop rigoler. Peut-être que celui qui sortira du air pour gérer le Cameroun après Biya, peut-être qu'il sera bon, hein. On n'en sait rien. Peut-être qu'il sera bon. Moi, je ne veux pas combattre quelqu'un nouvellement arrivé. Sauf si c'est un vieux routier. Mais si on nous sort quelqu'un là du chapeau, les gars, nous allons le regarder au pied du mur. Nous allons préparer seulement les Camerounais à faire le nom au World Up. Hein. Oui. Ce coup-là, si les Camerounais ne se lèvent pas, ça va être si service minimum en ce qui me concerne. Eh oui. La vie, c'est ce que vous voyez là. Nous allons nous retrouver, c'est une dizaine. Ce sont des souvenirs. Ce sont des souvenirs. C'est tout ce qui nous restera quand certains parmi nous ne seront plus là. Mais il y a des Camerounais qui pensent qu'ils peuvent grandir dans la division. Non. Non. On ne grandit pas dans la division. Quand je regarde l'actuel du 237, là, c'est la saleté. C'est même pire que ça. Des personnes pas fiables du tout. Aujourd'hui, vous faites semblant d'être amis. Oh, maintenant, c'est du virtuel. Non, les gars, vous faites la même chose au quartier. Moi, j'ai expérimenté. Tu penses qu'il y a des personnes qui passent avec toi. Tu as l'impression que tu as des relations franches avec certaines personnes. Mais ce sont celles-là même qui vont aller te mettre les couteaux dans le dos. Hein? J'ai expérimenté. Mais est-ce que vous me voyez trembler ici? Vous me voyez ébranler? Non. J'ai été préparé à ça. La vie est comme un train. Avec plusieurs gars. Il y en a qui monteront, qui descendront. C'est une de mes tatas qui m'a dit ça. C'est une de mes tatas qui m'avait dit ça. Donc les gars, soit nous luttons franchement, soit nous nous contentons de la des choses comme la libération de Junior Ngombe. Oui. Junior Ngombe est dehors pour combien de personnes enfermées? Regardez le Venezuela. Quand on décide de lutter, on lutte franchement. Voilà le Gabon. Ceux qui célébraient Oligui Nguema hier sont en mode pleurs. Regardez les pays où il y a eu des putsch. Et nous sommes toujours accrochés à des bêtises. Il pleut lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Ils ont tous le même coupe-vent. Tous. Mais les Africains considèrent qu'on les a émulés. Je dis que mon gars, tout le monde avait ce coupe-vent. Et encore, eux, ils ont même investi sur des coupe-vent. En Afrique, comme ça, il y aurait eu quoi? Biya aurait eu sa part de trucs au-dessus de la tête. Les autres se seraient mouillés. Donc, si Macron a émulé les Africains, les Biya, les Oligui Nguema, mais il y avait le comment on appelle, je vous ai posté une photo du prince de Monaco ici, hein? D'Albert de Monaco. C'est ça. Hein? Je vous ai posté là toute sa famille et lui
avec le même coup de vent, sous la même pluie. Vous pensez toujours que d'autres sont là pour vous vouloir du mal, pour vous faire du mal. Hein? La météo avait dit qu'il pleuvra. Ils ont préparé des coupes-vents. Et chacun avait le sien. Il n'y a que Machan qui a décidé de ne pas porter sa part. Il n'y a qu'elle-même qui sait. Comme on dit souvent dans notre sud natal, au bord de la mer, que quand tu as peur de te mouiller, on te demande si tu as du sel sur le corps. Tu ne veux pas te mouiller parce que de peur que le sel ne fonde. Donc, Machan, elle n'a pas de sel sur le corps. Elle a décidé d'elle se mouiller. Elle a décidé de se mouiller. Vous avez vu, nous sommes unanimes. Hein? Quand maintenant, il y en a qui disent, oh, vous avez fait ceci, l'image de cela. Oh, là où certaines personnes voyaient le satanisme, ce n'est que l'histoire de la France. Rendre hommage à Jeanne d'Arc. Donc, quelqu'un a pensé que c'était une image pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Vous diriez que c'est la sorcellerie. Coucou Yann. Coco, c'est la sorcellerie. Elle a le parapluie intégré, machin. À Paris ce jour-là, ils étaient tous, les officiels avaient ça. J'ai même vu le challenge ou bonnet de bain ou je ne sais pas quoi. Hein? Ouais, nous sommes toujours dans le calcul. Nous sommes toujours dans le calcul. Machin a dit qu'elle ne porte pas ça. Mais je vous dis que tous, regardez tous avec les journalistes. Vous voyez des personnes qui sont venantes. Hein? N'est-ce pas qu'il y en a qui savaient qu'il y avait la météo, non? Si Paul ne voulait pas porter ça, hein? Son entourage aurait pu prévoir autre chose. Ben, vous êtes là-haut, vous pleurez. Vous mettez les gens en opposition. Oh, les putschistes du Sahel, là. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient leurs homologues sous la pluie parisienne? Mais tout le monde était sous la pluie parisienne. Hein? Il y a des artistes qui ont fait des playbacks. On a même enregistré leur scène. On a enregistré. Il y en a qui n'ont pas voulu chanter en direct. Ok. Là, il faut nous tolérer la famille. Soit nous luttons. Vous n'êtes jamais là où on nous attend. On fait le petit déjeuner à mon tonton. Oui, ok. Sauf que ce n'était pas quelque chose contre les afros. Ce n'était pas quelque chose contre Bia. Des officiels avec tout ce truc-là. Les journalistes, les. Pourquoi d'autres communautés ne s'en sont pas offusquées? Pourquoi d'autres communautés n'en ont pas fait un challenge? N'ont pas pris ça comme nous le prenons, nous, certains afros du moins. Hein? Il faut arrêter. Bien n'était même pas obligé d'y aller. Hein? Il y a la météo. Il a un certain âge. La fatigue et tout ça. Vous ne regardez pas. Toujours au mauvais endroit. Bon, allez, la famille. J'ai fait un direct tout à l'heure que j'ai dû effacer. Donc, ben, je revenais pour dire que je suis toujours là. Hein? Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Donc, Ma Marlène a demandé pardon à Chang. Ben, il y a de quoi. Parce que les Camerounais ne sont pas dans la lutte. Il y a de quoi. Hein? C'est du sarcasme. Celle-là et machin. Qui a bu boire. Hein? Dans quelques jours, vous allez... Ok. Ah, pardon. Dans quelques jours, vous allez encore l'entendre descendre machin. Mais peu importe, on s'en fout. Elle demande pardon si elle en a envie. Si les gens commencent à parler du pardon de Marlène, là, je vous sors les noms de tous ceux qui sont allés demander pardon à l'Ambakam. C'est ça qui est ça. Allez, bisous là-bas. Peut-être que je vais relancer dans la nuit, cette nuit pour vous, hein, mais moi je viens à peine de me réveiller.